Yo, coucou tout le monde, c'est parti Valéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 4, sur notre Edinburgh Horizon Tour, donc notre 8ème course et la 9ème. Si c'est pas trop long, on fera la 10ème, hein, si ça dure que 5 minutes au total, on fera celle-là, mais je pense que ça va faire 10 minutes. Et après, on fera celle-là et celle-là qui vont nous durer quand même une bonne vingtaine de minutes, je pense. Donc, c'est parti. Sinon, on fera celle-là et celle-là. Après, plus tard, on fera celle-là et celle-là, etc. Donc, deux par deux. Hop. Allez, on va à notre... Donc, j'ai que cette voiture. C'est cool. Et ça, c'est une manuelle. Que je ne contrôle pas, sûrement. J'ai pas regardé, je pense que c'est une manuelle, mais je suis pas sûr. C'est peut-être une automatique. Hop, c'est parti, hein. Donc je pense que c'est une manuelle. On va se mettre en vue intérieure. Oui, c'est une manuelle parce qu'il enlève la main. Ouais, ça part en testicule devant, ça part en testicule. Excusez-moi, j'ai pas poussé. Je suis juste passé sur le côté et bah t'étais là. Et ça a touché, mais j'ai pas poussé. Putain, leur voiture, comment elle se soulève. Ouh là. Ah, ils ont tous les mêmes voitures. Je vais vous expliquer un petit truc. Bon, faut que je bouge vite fait la manette. Voilà. Alors, je vous explique un truc. Si vous voyez pendant une course que vous avez jamais faite, ou que c'est la première fois que vous la faites, vous voyez que les mêmes véhicules. Comme là, c'est le cas dans le rétroviseur, mais on voit pas. C'est normal. C'est que les gens n'ont pas assez. Les gens dans votre liste d'amis. Ouh, punaise. Votre liste d'amis ou votre membre de clan, de crew, de club plutôt, n'ont pas fait de course avec ces genres de véhicules. La classe, c'est pas un souci, mais juste, ils n'ont pas fait de... Si peut-être la classe, ça joue aussi. N'ont pas fait des courses dans cette classe ou avec des véhicules et cette classe en plus. Comme le Ford Transit tout à l'heure. Il n'y avait que des Ford Transit et même pas de la couleur. C'est normal, c'est parce que t'as des gens qui font pas la course avec les vannes et utilities. C'est pour ça que le Edinburgh Horizon Tour permet de toucher un peu à tous les véhicules. Et diversifier ça, parce que comme on a pu le voir, ils avaient que des Jaguar JX, je sais pas quoi. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la course suivante. Allez, super. Non, c'est à 10, donc la 9, c'est parti pour la 9, donc allez, let's go pour la course 9, donc celle-là je la prends pas, et c'était celle-là que je dois prendre, sauf que celle-là elle est faite pour le rallye, donc je vais lutter, je vous le dis tout de suite, je vais bien lutter, j'ai envie de prendre la Cooper. Je vais prendre la... Allez, vas-y, je prends la S1. Je prends la S1, mais je vous garantis pas de réussir du premier coup. Parce que là, elle est montée... Le moteur est monté en version rallye. Donc, c'est parti. Donc, boîte manuelle en version rallye. Ça va être difficile. Ouais, cette course, là, je suis sans pitié. Allez, pousse-toi. Même derrière, ça pousse.
Voilà pourquoi, sur des petits circuits, faut pas prendre des grosses voitures hypercar. Ça sert à rien. Ah, vous entendez ce turbo là souffler? Ah, oh, mais si tu freines aussi! Wouh! Vous comprenez pourquoi faut garder les deux mains sur le volant? Ah, je coupe par la terre, je suis un barge. Ouais, merde. Ah, cette course est une catastrophe, hein. Il y a tellement de virages serrés que tu veux tellement faire vite au volant que tu te bouffes partout, quoi. Wow, tu vas où la voiture? Ouais, merde. Je sais pas ce que j'ai fait et j'ai glissé. On va pour les deux prochains tours, on va se les faire un peu plus doux quand même. Oh, quand je change de vitesse, ça se soulève, je sens les roues à l'avant. Ouh. Heureusement que c'est une 4 roues. En fait, c'est pas partout qu'elle se soulève les roues, c'est vraiment à certains endroits quand je tourne surtout. Et j'ai cru que c'était un 4x4 le véhicule. Je commence à avoir mal aux fesses là tout à l'heure, hein. À force de rester assis. Oh, le réflexe d'embrayer. Si je reste, je peux même faire le tour en quatrième, c'est pas très grave. Elle a tellement de coupes que j'aurais pu rester en quatrième. Elle a une reprise de ouf. Et en même temps, quand t'entends ces deux turbos là qui soufflent. Ah là, une... Ouais, je voulais essayer, mais bon. Y a pas de ligne droite. Ouh, j'ai réussi. Ah. On va faire la prochaine course. Et après, je ferai un petit temps mort. Ouais, se sont mis là. Ah, c'est par type d'utilisation. Ok, d'accord. Ah, donc faut que je les trouve. Donc la 10, on va faire la 10. C'est parti. Il y a 8 km, c'est un sprint. Ça va, c'est pas compliqué. C'est du sur... Putain. C'est du super hot hatch. Hot hatch, j'arrive pas à le dire. Sur une Focus RS, donc Focus RS qui veut dire que j'ai pas de palette au volant. Il y a une boîte de vitesse à l'ancienne. Bien sûr, le skin est retrouvable sur mon truc, hein, vous pouvez le retrouver. Ouais, c'est un peu déconné sur la gauche, mais bon, c'est pas grave.
Limite, je l'avais même pas remarqué. Donc c'est parti, hein, avant la petite pause. Une pause s'impose. Un véhicule que j'aime piloter. Bon, faut que je passe les vitesses. Oh, mais pousse pas, bordel. Est-ce qu'il y a une septième? Non, pas de septième. Une rétrogression s'impose. Et des dépassements s'imposent. Mais pourquoi vous freinez? Y a pas... Oh là 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 là, mais freinez pas. Voilà, voilà. Vu que j'essaye de suivre. Genre que j'essaye de les doubler. Quand ils freinent, bah moi je tape dans le mur. Là, faut freiner, tu vois. Vite fait. C'est un petit zigzag. Et voilà, voilà. Tout ce que je voulais pas qu'ils fassent. Mais non, freine pas. Tout ce que je veux pas qu'ils fassent, ils le font. Oula. Là, faut freiner, là, faut freiner, là, faut freiner. Rétrograder. Un petit troisième. Allez, là, je le double par la terre parce que franchement, vous me saoulez sinon si je les double pas maintenant. Wouh! Quand c'est comme ça, ah oui, quand faut tenir le volant droit. Ça, c'est un conseil, tenir le volant droit. Bon, vu qu'il y a le soleil qui est en train de se coucher juste derrière moi, vous ne voyez pas. J'ai un trait. Oui! Et je me suis fait rentrer dedans. Voilà, ils n'ont pas d'intelligence, ces drivatars. Au lieu de te doubler, non, eux, ils font quoi? Ils te rentrent dedans. Putain, allez, allez, tourne, 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 tourne. Et en fait, ce trait là au milieu, ça dépend. Si je suis comme ça, j'ai pas de reflet. Si je suis comme ça, genre, j'ai le soleil, il est en plein dedans là. En fait, il passe à ce moment-là. Sinon, j'ai pas de reflet. Sauf quand il passe dans cet axe, ce soleil. Je m'en plains pas du soleil. Hein. Sauf que ça me déconcentre un peu parce que dès qu'il y a une zone d'ombre, bah, je vois plus rien. Comme si la télé était éteinte en fait. Allez, on arrive. C'est pas le moment de relâcher la pression. C'est pas le moment de relâcher la pression. Yes! Première place. Donc c'est ta troisième course de cette quatrième vidéo, si je ne me trompe pas. Parce que là, je suis un petit peu perdu. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce stream vous a plu aussi, hein. On se retrouve très vite pour un nouveau stream et pour de nouvelles courses, c'était Parzival. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un commentaire. Allez, ciao 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 ciao.